Je suis Hélène Darroze et je suis cuisinière. Nous sommes à La Serade, dans le Gers, dans le sud-ouest de la France. Nous allons rencontrer Pierre Matteron, qui est éleveur de cochons noirs de Bigorre et qui produit un magnifique jambon. Je suis la 8e génération de paysans à développer cette race de porc noir qui était en train de disparaître. C'est un cochon qui ne peut vivre qu'en pleine nature. Donc Pierre, pour la production du jambon, c'est des cochons donc, que tu tues vers 14-15 mois et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors l'affinage, je l'ai confié à un artisan salaisonnier qui aujourd'hui est devenu un ami. Thierry Pardon, vraiment, c'est l'horloger de mes jambons. On le frotte une fois. Et là, comme c'est très 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 maigre, ça prend de suite le sel. Il n'y a plus que 2 ans à attendre. Vous allez voir l'odeur qu'il a. Ouais. Alors Pierre, est-ce qu'avec ton noir de Bigorre, tu as déjà goûté à l'apéritif la Lèfle Rubis? Alors la Lèfle Rubis, en fait, c'est une bière d'abbaye, très marquée fruits rouges, hein, un peu de bois de rose, hein, douce mais pas trop sucrée. J'ai un parfum fort agréable, avec un petit goût de noisette dans notre petit gras. Justement, le côté salé vient un peu casser la douceur de la bière, ce qui est intéressant. Écoute Pierre, là je crois qu'on a trouvé la parfaite association pour l'apéritif. Un beau mariage.